émission Midao. Nous sommes à Sainte-Anne. Nous sommes sur le marché avec une dame qui s'appelle Mona. Mona, alors vous êtes de quelle origine, Mona? Haïti. Il y a combien de temps que vous travaillez sur ce marché? Depuis 2012. Et comment que ça se passe? Auparavant, ça va, mais pour le moment, comme ça. Hein? Ça veut dire ça qu'a marché un jour, ça pas qu'a marché un autre jour. Voilà. Ok. Ou qu'a travaillé avec qui type de clientèle? Plus avec le touriste. Il y a qui touriste? Et c'est entier, là, il n'y a pas à venir faire vendre? Acheter comme ça, mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Non. Mais par contre, les touristes vous font travailler. Voilà. D'accord. Alors, ici, dans la majorité des vendeurs et des vendeuses, Kavine d'Haïti ou alors c'est tout un mélange? C'est un mélange de tout. Mm-hmm. Blanc, nègre, mm-hmm. Nègre, c'est tout. Tout le monde a qu'à travailler? Ensemble, voilà. Les autres comptent les autres? Oui. Ok. Est-ce que vous pouvez présenter nous les produits qui sont au Cavan? Oui. Ok. Donc, à couteau et donc. Ok. Sous la salle, mélange des épices, c'est moi qui prépare. Il y en a de punch coco. Il y en a cannelle, des épices, caramel grillade. Ça est spécial, Mona qui prépare, dans la joie et la bonne humeur en plus. Il y en a la noix de muscade et du colombo. D'accord. Ok. Après. Et il y en a de celui-là, c'est un petit sac de préparer, c'est moi qui prépare. Il y a quoi dedans? Tu as le sucre de canne. Sucre de canne? Ouais, local. Je mets un celui-là, je vends. Et celui-là, c'est la cannelle. Cannelle traditionnelle. Locale. Cannelle pays. Pays. Et celui-là, c'est de Madagascar. C'est Madagascar. Pas, c'est pas la même chose. D'accord. Voilà. Et alors, et vanille là? La vanille, c'est, j'ai acheté ici, mais c'est pas local. C'est de Madagascar, la Réunion. Ah, d'accord. Très bien. Voilà. Et le paquet coûte combien? Le paquet, il y en a qui a 50 euros, 30 euros. D'accord. Et alors, toutes ces belles épices-là, Gabriela? Bon, celui-là, ça s'appelle caramel grillade. C'est un petit peu sucré salé. C'est moi qui prépare. Il y en a épices poisson. Celui-là, c'est le coco caramélisé. Oui. Oh, alors, comment tu as dans qui met un coco caramélisé là? Je prépare le gâteau, yaourt, nature. Et tu peux manger comme ça, comme un dessert. Coco caramélisé. Voilà. C'est moi qui prépare. C'est fait Mona, chez Mona, d'accord? Et il y en a des épices comme ça. Tous les épices, c'est moi qui fais le mélange. J'achète les épices, je prépare, je fais le mélange. Et après, pour le punch, c'est moi qui prépare. Alors, venez pour nous montrer. Pour le punch chez Mona, dans la joie et la bonne humeur. C'est la joie et la bonne humeur. Il y en a le petit sac, c'est moi qui prépare le petit sac. D'accord. Il y en a le petit ponche. Il y en a ponche passion, c'est fruit de Makoudja. Mm-hmm. Tu connais le fruit de la passion. Si là c'est un petit ponche préparé spécial pour le monsieur, hein. Ah. Ça déchire qui l'autre. Ah, attention, hein. Avec cela, ça fait travailler plus. D'accord, alors c'est pas pour madame, mais c'est pour monsieur. C'est pour monsieur, hein. D'accord, ok, on s'est compris. D'accord. Bon, pour le confiture, c'est pas moi qui fais. C'est fait ici même. D'accord, c'est la pas confiture. Moi qui fais. Oui, d'accord. C'est pas moi qui fais. Okay. Et pour le ponche, c'est moi qui prépare tout le ponche. D'accord, toutes les bouteilles qui sont là. Tout là, c'est moi qui prépare. D'accord. Donc, il y en a gozeille pays, mm-hmm. Il y en a cerise pays, mm-hmm. Et goyave. Ponche planteur, c'est moi qui prépare tout le fruit, ananas, goyave, etc. Je fais tout ça. C'est moi. Et la sauce chien, c'est moi qui prépare. Quand le gens mangent poulet rôti, tu ajoutes un petit peu de sauce chien, accra, tu manges ça comme ça. Alors pour conserver votre sauce là, il faudrait donc mettre ça au frigidaire, réfrigérateur? Non. Tu laisses dehors comme ça, ça ne bouge pas. Pas qu'à gâter? Non. Ça ne bouge pas, c'est moi qui prépare. Et après,
Il y en a du sirop. C'est belle petite robe là. Ah, la belle nounou, c'est Mona qui prépare. Et c'est belle popote. Ça, c'est Mona qui prépare celui-là. C'est moi qui coûte tout ça. Hein. Je prépare les petits papotes. Auparavant, je vendais, c'est ça que je fais. Après, j'ai commencé à travailler tout le temps. C'est moi qui prépare. Et les robes qui sont là, les petites robes. Les robes, c'est moi qui prépare aussi. Voilà. D'accord. Dans la joie et la bonne humeur. Dans la joie et la bonne humeur. Alors là, franchement, avec Mona, c'est la joie. Et la bonne humeur. C'est ça. Écoutez, Mona, merci beaucoup. Vous avez été très sympathique avec nous. On reviendra vous voir. Au revoir, Mona. Merci, au revoir. Si vous préparez quelque chose, il y en a, les numéros sont là. Chez Mona, le numéro c'est 36 74 99. Chez Mona, si quelqu'un veut passer commande, je commande. Je passe commande, c'est 36 74 99. Merci, Mona. À bientôt. Au revoir.